Elle ne veut pas. Attends, meuf. Oui. Anna, je peux te parler, s'il te plaît. Kira, ça va, il s'est passé un truc grave. Attends, meuf, je te rappelle. Vas-y, je t'écoute. Ok, alors, je te raconte, en mode. Tu vois, ma pote Anaïs. Non, elle m'a encore eu. Anaïs laquelle? Anaïs A, B, D ou E? Non, suis. Elle a déménagé depuis 2 mois. Là, c'est Anaïs F. Mais en mode, de base, tu vois, elle est pote avec ma pote Léa. Ouais, et du coup? Et elles sont allées voir Timéo. Mais attends, c'est pas ton meilleur pote, Timéo? Mais si! Ok. Mais tu sais pas encore ce qu'elle a fait. Elle a fait un truc que jamais je pourrais... Elle a fait quoi? Elle a osé dire que ma note Insta était gênante, mais dehors. Non, mais Anna! Ouais, meuf, c'est bon. N'importe quoi! Bah sérieux, ma grande, un 0, tu te rends compte ce que c'est, un 0 sur 20? Un 0, de toute façon, ça va, j'aurais pu avoir moins 1. Moi, j'ai une pote, elle a eu moins 3. Moins 3, tu te rends compte, maman? Estime-toi heureuse. Mais t'abuses, 0. Moi, à ton âge, je faisais au moins le minimum. Alors, Anna, c'est vraiment un contre son camp. Parce que quand t'avais mon âge, tu sais très bien que tu faisais pire. Donc, s'il te plaît, reste à ta place, ma belle. Hop là, tu me donnes ton téléphone tout de suite, c'est fini, tu le revois plus. Mais non, maman, on avait dit plus mon téléphone. Moi, à ton âge, j'avais même pas de téléphone. Non, mais toi, à mon âge, t'avais redoublé 5 fois, donc je pense que t'es pas la meilleure personne pour pouvoir se permettre, ok? C'est bon, j'en ai ras la casquette de tes commentaires. Mais de toute façon, j'ai même pas redoublé 5 fois, mais une fois, ok? Hein, maman? Ça va plus, t'inquiète pas, t'as redoublé qu'une fois. Là, c'est pas gentil ce que tu viens de dire à ta sœur. En plus, maman, je te retiens, et toi, me parle plus jamais de ta vie, d'accord? Mais t'es malade de crier comme ça, je suis au téléphone, espèce de taré, qu'est-ce que tu veux? Je parle avec une copine, j'en ai rien à faire, raccroche! Je t'ai cru dans la villa des cœurs brisés, ma pauvre, c'est quoi ton problème encore? Mon problème, c'est que t'es une grosse balance, tu es une balance, Anna! T'as dit à maman que j'avais perdu mes AirPods, maintenant elle m'a confisqué mon téléphone, de sortie et de vivre! Bah figure-toi que je n'ai pas fait exprès de lui dire, je sais pas moi, c'est sorti tout seul comme ça, comme un brin de vent ou une brindille. T'es fait exprès ou pas, j'en ai rien à faire. Tu sais la sortie la semaine dernière que t'avais pas le droit de faire, ou quand t'es allé voir tes copines alors que tu devais travailler, ou encore ton 0. Je vais tout lui dire. T'as pas intérêt à faire ça, reviens. Moi tout de suite, espèce de balance. Si tu fais ça, tu vas le regretter, ok? Donc dors sur tes 2 yeux, tu vas le regretter. Je vais tout leur dire. Elle est nouveau? Ouais, je l'ai acheté la semaine dernière, franchement. Attends 2 secondes, les filles. Quoi? Anna, s'il te plaît, tu peux rentrer. Il m'a quitté. Il t'a quitté. J'arrive tout de suite, ma vie de mon amour, de mon cœur. Les filles, je dois vous laisser, j'ai une urgence. Anna, Théo. Alice, t'inquiète pas, ça va aller. J'ai tout ramené, les mouchoirs, le lait hydratant pour le nez et un oreiller pour te défouler. Non, ça, c'est nos photos. Là, ouais. On était au city. Et là... Faut tout effacer, d'accord? Je le fais pour toi, ok? Vu que je suis triste, tu peux me passer ta brume Victoria's Secret, s'il te plaît? Merci. Oui, je te passe ma nouvelle brume. Tiens, mon amour. Parfait. Anna. Attends. Oui. Anna. Oui. C'est ma sœur, elle est relou à faire ça. Coucou, est-ce que je t'avais dit le truc par rapport à... Que quoi? Coucou. Non, Elise, ne finis surtout pas ta phrase, tu vas me gêner plus qu'autre chose. Ma journée était longue, dure, éprouvante et lente. Donc s'il te plaît, tu peux sortir. Non, en vrai, je voulais te rendre ce jean que je t'ai emprunté sans que tu le saches. Bah, merci du coup. Ah, t'abuses, tu sais que j'aime pas quand tu prends mes affaires, surtout mes jeans, tu les salis à chaque fois. C'est tout, tu peux sortir maintenant? Ah, et aussi, tu voulais me dire quoi encore? Quoi? Tu veux quoi? Non, rien. Marre, la porte! La porte! Mais papa... Jo, elle t'a mis dans de quoi? Mais non, c'est une blague. Ça me saoule. Encore ma soeur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es saoulée comme ça? Non mais c'est mes devoirs, les maths, je comprends rien, tu peux pas m'aider, je t'en supplie. Laisse meuf, donne-moi tes devoirs, on va faire ensemble. C'est vrai? Mais oui, fais voir, t'inquiète. Ok, alors t'as 7 feuilles, le manuel, fraction, inéquation et théorème de Thalès. Mais t'y arrives ou pas? Non mais je réfléchis, c'est pas facile hein. Ouais. Mais c'est bon, en fait t'y arrives pas, je vais demander à papa, t'es vraiment trop nulle. Mais non, je peux le faire, c'est bon, arrête de faire ta relou, faut juste que je réfléchisse. Tu vois, c'est pour ça que tu arrives pas à l'école. Ouais, moi, ouais. J'allais tout le temps 20. Là, c'est parce que je suis en terminale que c'est je galère, ça. Mais... Et oui, bien sûr. Bah vas-y, dis-moi, c'est quoi la formule du théorème? Bah, c'est et au carré. Mais c'est réel de ouf, et du coup... Elle me saoule quand elle fait ça. Ouais, ma sœur. Tu veux quoi? Bah rien, je veux juste passer un petit moment avec ma sœur, j'ai pas le droit. C'est ça, ouais, qu'est-ce que tu veux, dis-moi et casse-toi. Mais t'es obligée de me parler comme ça? Moi je veux juste passer un petit moment avec toi, papoter entre sœurs quoi. Oui, sauf que là je suis au téléphone avec Océane, donc assieds-toi sur le canapé et tu fais pas de bruit s'il te plaît. Merci. Bref, la meuf elle me fait... Tu peux m'arrêter s'il te plaît?
idée? Ça te dérange, j'ai pas remarqué. C'est ça, ouais. Hop, ça c'est par terre. C'est bon, stop, dégage de ma chambre. Emma, tu dégages. Je vais appeler maman. Ok, c'est bon, j'y vais, mais je t'ai pris ça du coup. Anna. Quoi? Ça tirait trop bien ça. T'es drôle, dis donc. Tu voulais faire du shopping avec moi? Bah, sois moins utile au moins, va chercher des beaux habits. Anna, ma soeur préférée, je t'en supplie, tu peux m'acheter ce sweat, il est trop beau, je pourrais même te prêter, il est super pas cher. Mais t'es complètement zinzin, toi, ils sont où les 50 euros que maman t'a passé? J'ai acheté des bonbons avec, j'ai plus d'argent. T'as acheté 50 euros de bonbons? Oui, mais c'était des bonbons américains. Ils sont super chers, mais ils sont trop trop bons. Emma, sois mature pour une fois et dis-moi c'est lequel qui m'irait le mieux. Ah, c'est la peste ou le choléra, là tu ferais mieux d'acheter une serpillière, ma pauvre. Hein. J'aurais pas dû te ramener avec moi. C'est la dernière fois que tu viens, c'est clair, je vais te déposer à Toys R Us si tu vas pas me saouler. Tu fais trop ta grande, en plus c'est moche ce que t'as acheté. Anna. Quoi? Tu m'accompagnes à la piscine, s'il te plaît? Je t'en supplie, maman, elle a dit que tu devais m'accompagner. Mais il est 8h du matin, va te recoucher et ferme ta porte et ta bouche aussi. Je t'ai volé ta casquette. Non mais rends-la-moi par contre, t'en as une en plus. Rends-la-moi. Maman, regarde, Anna, elle me frappe. Stop, Anna, tu lui laisses la casquette là. Merci, maman. Et maman? Bon, au lieu de saouler tout le monde, serre à quelque chose et prends-moi en photo. Oh, yes! Vas-y! Mais tiens le droit au moins, là! Ok, pas la peine de crier! Je t'ai dit droit, pas à gauche! Rien faire, celle-là, rends-moi ça! Et arrête de me suivre partout! Maman, dis-lui d'arrêter de me suivre! Bon, j'y vais, maman, bisous! Hey, pip, tu vas où, là? Oh non, je te connais, tu vas pas me saouler cette fois, je sors! Moins de hey, pip, plus de hop, 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 s'il te plaît! Mais je voulais pas t'empêcher! On dit de t'empêcher! Oui. Je voulais juste savoir. Bien joué, mais je prends de l'avance. Non, je vais ni dans un magasin de bonbons, ni dans un magasin de jouets, et encore moins dans un magasin de slime. C'est bon, je peux y aller. Est-ce que maintenant que je suis au collège, je peux venir avec toi? Toi? Tu rigoleras moins quand tu verras ce que j'ai à te montrer, espèce de sorcière. Mais t'es une grande malade, ma pauvre. Comment t'as eu ça? C'est quoi? Yes! Bouge pas, je vais chercher mon glace à la cerise. Ok, par contre, t'évites de parler à mes amis et tu leur fais pas tester ta pâte à croûte. C'est gênant. Coucou, c'est moi. Eh, la journée éclatée que je viens de passer, je vous raconte. C'est une blague? Mince, j'ai oublié de lui reposer ses habits. Quoi? Non, mais elle ose me dire quoi, la morveuse? Il a acquis ton sweat? Mais c'est mon jean aussi. Fournis-moi une explication très claire, Anna, sinon je te jure que c'est pas que mes vêtements que tu vas plus jamais revoir. Mais en fait, je voulais te demander, tu vois, sauf que t'étais déjà partie en cours et je me suis dit, j'ai pas envie de la déranger en cours, je sais que t'aimes pas qu'on te dérange, c'était pour toi en fait. Et tu t'es pas dit que peut-être m'envoyer un message serait une bonne idée? Parce que tu sais faire ça quand je suis au McDo, quand je suis chez Zara, quand je suis chez Apple. Ça va, j'y toucherai plus, pas la peine de nous faire ton caca nerveux. Ça, c'est sûr, parce que tu sais ce que c'est ça? Un cadenas. Et ça? Des clés. Bonne déduction, Sherlock. Je vais accrocher un cadenas sur ma porte et je serai la seule à avoir les clés. T'es vraiment une grande malade, ma pauvre. Hein. Oh, une pauvre malade peut-être, mais futée. Une pauvre malade. Anna, on peut parler? Ouais, parler de quoi? Bah, je suis ta grande sœur, et je me suis dit, je pense qu'en tant que grande sœur, c'est hyper important que je te donne des conseils, tu vois. En fait, t'as ni bac, ni permis, ni situation stable, donc quel genre de conseils? Bah, si c'est comme ça, je me barre alors, t'as pas besoin de moi, ce que je vois. Salut. Ça va, je rigole, reste. C'est vrai? Ouais. Bon bah, je reste alors. Par contre, j'ai un cours de gym dans 10 minutes, donc si tu pourrais passer la deuxième, ce serait sympa. Tu t'en souviens peut-être pas parce que t'étais pas très grande quand moi j'étais au collège. Enfin, remarque, t'es toujours pas très grande. Tu fais combien? 1m55, 56? 59, c'est pas drôle. Bah ça va, on peut plus rigoler. J'étais assez populaire, c'est pas pour me vanter, mais tout le monde était à mes pieds. Je toi, sais. Toi, en revanche, t'es plus au pied de quelqu'un. Et c'est de mon devoir de t'apprendre à devenir comme moi. Abandonne, c'est impossible. Bref, j'y vais.